Et que sur ce... Chien de traîneau, bouée sur neige, ski alpin. À Orcières, sur le plateau de Rocherousse, de nombreuses activités se côtoient. Dernier arrivé, le ski de fond, pour le plus grand plaisir des pratiquants locaux. C'est trop bien, c'est plein de neige et on se régale. L'altitude, c'est un peu difficile en ski de fond, mais c'est vraiment chouette. Pour les professionnels de la station, c'est aussi un nouvel outil, une manière de replacer le nordique sur la carte des activités. Et ben nickel ! Pour les familles qui ne vont pas avoir tous les mêmes envies de pratique, il y en a certains qui vont aimer le ski alpin, d'autres qui vont aimer se balader, d'autres qui vont aimer faire du ski de fond. Et en fait, ici, on a la chance de pouvoir pratiquer toutes ces activités au même endroit. Et pour les habitués du ski de fond, avec cette piste d'un peu plus de 2 km, il y a tout ce qu'il faut pour s'amuser et s'entraîner. Pour les personnes qui seraient déjà confirmées, voire experts, on peut très bien envisager un entraînement ici à 2200 mètres d'altitude où le cardio travaille rapidement. Pour la station, il s'agit aussi de poursuivre la diversification des activités avec une probable pérennisation de cette piste. On va voir un petit peu le retour des clients, mais bien évidemment, voilà, c'est très, très certainement quelque chose qu'on va être amené à faire perdurer dans le temps. Voilà, parce qu'on est persuadé que ce produit, en tout cas complémentaire à tout le reste. L'accès au plateau coûte 11 euros, le prix d'un forfait piéton, et 5,50 euros pour les détenteurs d'un pass nordique.